So after today, I hope you come to understand that every time you try to change someone. Donc après la journée d'aujourd'hui, j'espère que vous comprendrez qu'à chaque fois que vous essayez de changer quiconque, you are trying to change someone that doesn't exist. Vous essayez de changer quelqu'un qui n'existe pas. They only exist here in your head. Il n'existe que là-haut dans votre tête. People are who you believe them to be. They can never be more. Les gens ne sont que ce que vous croyez qu'ils sont. Ils ne peuvent jamais être plus que ça. Not possible. C'est impossible. So notice what you experienced. Yes. Remarquez l'expérience que vous avez faite. Hello, I'm a newcomer. I just like to say that in trying to understand a situation, sometimes bon. We Bonjour, je suis une débutante et je veux simplement dire que quand j'essaie de comprendre la situation, sometimes we try to understand both sides. Des fois on essaie de comprendre les deux côtés. And so when you ask to focus on what we feel, et donc quand tu nous demandes de nous concentrer sur ce qu'on ressent, it is sometimes quite confusing parfois, to be close to what we feel. Parfois, ça nous met dans la confusion que de se rapprocher de ce qu'on ressent. Yes. What oui. I love about your feelings is ce que j'adore au sujet de ce que tu ressens, toi, c'est I can't feel them. Moi, je ne peux pas les ressentir. They're yours. Ils t'appartiennent à toi. What I love about my feelings, ce que j'adore au sujet de mes sentiments, is that you can't feel them. C'est que toi, tu ne peux pas les ressentir. Only I can feel them. Il n'y a que moi qui puisse le faire. My mind says, I feel for you. Mon mental me dit, je ressens ce que tu ressens. But I can't feel for you. Mais je ne peux pas ressentir ce que tu ressens. I'm feeling. Je ressens. I imagine what you are experiencing emotionally, and that causes me to feel. J'imagine ce que tu ressens d'un point de vue émotionnel, et c'est la cause de ce que moi je ressens.